Les amis, on se retrouve sur Internet Simulator. Aujourd'hui, on va tuer. C'est parti, les gars. Alors, pour ceux qui connaissent pas du tout ce jeu, c'est le jeu le plus kawaii de tous les temps. L'objectif, en fait, c'est de tuer toutes les meufs de l'école pour avoir notre mec rien que pour nous. C'est un jeu de psychopathe. C'est un jeu qui est même interdit sur Twitch. Et moi, je stream sur Twitch souvent, les gars. Vous le savez. Faut qu'on prenne des objets avant de partir. Je sais pas s'il le demande là. On va aller à l'école et moi, j'ai besoin du tournevis. Vous allez voir, aujourd'hui, j'ai une stratégie. Elle va nous permettre de voir de quel bois on se chauffe. Non. En vrai, surtout, les gars, pour une fois, j'ai préparé un peu. J'ai lu tous vos commentaires de la dernière vidéo. Et ça m'a permis, en fait, de savoir à peu près qu'est-ce qu'il faut faire dans le jeu pour tuer sans se faire repérer. Ça va être l'objectif de la vidéo. Concrètement, tuer tout le monde, c'est possible. Mais tuer tout le monde sans se faire choper, un peu plus compliqué. Parce que c'est pas comme s'il y avait genre 40 personnes qui disparaissaient. What? Pourquoi le jeu est si sombre? Attends, on est en mode dark mode là, il se passe quoi? Ils sont tous en mode Pablo Picasso, les personnages, what the fuck? Bref, on n'a pas le temps de niaiser. Il faut que j'aille prendre un seau d'eau. Vous allez voir, les gars, j'ai une stratégie. Si ça marche pas, je tue tout le monde. Bah, c'était le cas dans tous les cas. Alors, attendez, il faut que j'aille juste ici. Dans les toilettes des mesdames. Et on a besoin du seau. Ensuite on va le remplir d'eau. Ça va être l'objectif hein. C'est dans vos commentaires. Vous m'avez dit de faire ça. Et on va essayer de le placer. Pourquoi je peux pas? Quoi? Mais j'ai rien. Mais comment ça je me suis fait choper? Mais j'ai rien fait de mal. Je trimballais juste un seau d'eau. C'est parce que je suis trop fraîche, faut me rafraîchir. Ah, je vais vraiment au bureau du CPE. Oh, je suis mort. Apparemment, elle dit que j'exhibe, mais j'exhibe rien du tout. Je vais essayer de flirter avec elle. Je vais essayer de la draguer un peu. Les gars, draguer la CPE, c'est chaud. Attends, pour de vrai? On lui dit, on pense qu'à toi, mais elle va jamais gober ça. En gros. La meuf, elle est en train de dire, oh, je vais me faire défoncer. Elle dit que je vais me faire expulser. Moi, je trouve qu'elle a l'air beaucoup trop agressive. Wesh. Mais attends, mais il y a un truc que je piche pas. On a vraiment rien fait de mal. Je ne comprends pas. Regardez, maintenant, je suis triste. Mais c'est bizarre. Ça doit être ma conscience qui me pousse à tuer pour mon mec. Franchement, les gars, si un jour vous avez une meuf qui fait ça, vous avez tout gagné. Mais vous allez aussi crever très rapidement. Parce que juste tu parles à ta mère, pour elle, c'est une cible, tu vois. Bah attends, mais pourquoi tout le monde rigole? Ah, c'est mon mec! C'est lui! C'est Senpai! Oh, le BG! C'est un gros gros BG. Exposed. Logiquement, tu te fais pas arrêter pour porter un seau d'eau. Eh, cette stratégie va être beaucoup plus dur que ce que je pensais. Je pense qu'il faut que je sois plus rapide. Ok les gars, là on y va direct. Et si ça marche pas, bah on ira dans mon autre partie. Fonce Ayano, fonce! Pourquoi tout le monde court aussi? Ça y est, je lance des modes en fait. Ok, là ça passe, ça passe, ça passe, ça passe comme les tapas. Faut juste pas qu'il y ait les surveillants en fait, mais les surveillants ils arrivent juste après. Donc là il faut vraiment que je me dépêche. De toute façon, une fois qu'on a fait ça, le plus dur est passé. Je sais même pas où ils sont les surveillants. Ok, ok, personne me voit, personne me voit. Là on met le piège, regardez. Non, personne m'a vu! Personne! J'arrive pas à faire la distinction entre les surveillants et les élèves. Je crois que les surveillants ils sont en blanc. Ouais, c'est ça. Oh, il a l'air tout triste tout lui, il a quoi? Attends, frérot, tu veux quoi? Tiens, je t'aime. Tu donnes à manger. Ouais, attends, 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 attends. Attends, tais-toi, parle pas. Comment ça, mon piège, il a pas marché? Je m'en fous, je l'emmène. Ah là 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 là. Faut que je le mette autre part en fait. Mais arrêtez! On va le mettre là, voilà. Là, ça devrait fonctionner. Et je vais me planquer là et tout ira bien. En gros, les gars, il faut qu'on fasse mouiller une meuf. C'est vrai, hein, c'est aucune blague. Parce qu'en fait, du coup, après, elle ira se changer à la piscine et c'est là qu'on ira la tuer. Vous inquiétez pas, j'ai une stratégie. Par contre, j'ai oublié pourquoi le jeu il est en mode Pablo Picasso là, c'est bizarre. Ok, les gars, c'est carré dans l'axe. On a juste à attendre que quelqu'un se prenne le seau d'eau. Il y a bien une personne qui va passer par là, non? C'est là que je suis sur la seule porte que personne n'y va jamais. Ça me fume. Si vous regardez en bas, il y a marqué ma réputation, elle est à moins 74. Ça veut dire que tout le monde me déteste. Pourquoi? Je suis mignonne, je suis Ayano quand même. Ah! Ça a marché! Ça a marché! C'est pas moi, c'est pas moi, c'est pas moi, mais t'es. J'ai juste balancé de l'eau parce que t'étais trop on fire, tu vois. Là, notre plan se passait merveille. Ok, regardez. Ouais, mais déjà, par contre, j'avais vu quelqu'un de mouillé qui court comme ça. On fonce, mec, on est tellement suspect. Faut que là, je sorte le tournevis, l'arme du crime. Oh, il y a beaucoup de buée ici. Attaque! T'as touché à mon mec, bah moi je te tue. Prêt, complètement malade. Alors attendez, maintenant ce qu'on va faire, c'est que on va se changer. Parce que là, elle est un peu morte la meuf. Et que le sang, ça va pas du tout avec mon teint. Donc voilà, je me suis changé. Et maintenant, je vais aller prendre une petite douche. Oh là là, ça se frotte les gars, ça chante sous la douche. Côte gazo, je bende à côte gazure. Ouais, c'est ce que je chante sous la douche. Toutes les filles chantent ça. Maintenant les gars, on doit se débarrasser de l'uniforme. Et il y a un endroit. Ah oui, il faut d'abord que je m'habille aussi. C'est vrai que je chantais un peu à poil. Alors attends, on va se mettre en uniforme de sport. Ouais, voilà, c'est une tenue très appropriée, voilà, avec un gros, avec mon gros popotin, là, parfait. Et maintenant, en fait, ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre ça, on va pas l'emmener aux ordures, parce que, tu sais, les flics, ils pourraient fouiller dans les ordures. L'objectif, ça va être d'aller dans un club, et il y a un club, normalement, faut juste que je le retrouve, où il y a un objet qui permet de disloquer complètement l'objet, je sais pas comment expliquer, de le broyer, en fait. Non, non, il faut que personne me remarque, par contre, je sais pas à quel étage il est, l'endroit. Si je me fais choper par un surveillant, je suis vraiment dead. C'est un endroit un peu robotique, mais je crois que c'est un étage au-dessus. Franchement, avouez les gars, ma strat, pour une fois, elle est logique. Oula, oula, oula. Seul problème, c'est qu'il y a vraiment beaucoup de gens autour de moi. Ici, il y a rien. Mais là, il y a des surveillants. Ils saoulent les gens, ils peuvent pas aller en cours un jour. Il y a des ordinateurs. En fait, tant que je cours vite, personne me remarque. Mais c'est un endroit un peu robot, je vous dis. Mais où est-ce que c'est? Non, là, c'est le toit. Je sais pas à quel étage c'est. On va refaire un tour. Donc là, c'est une salle de classe normale. Là, carrément, c'est le bureau du proviseur, donc clairement pas le bon endroit. Là, c'est encore une salle de classe. Donc peut-être que c'était plus bas en fait. Et là, il y a une salle vide. Là, c'est encore une salle de classe. Et là, il y a le labo de chimie. Il y aurait pas un endroit ici où le faire, non? Mais ça ressemble au labo de chimie normalement. Alors ici, il faudra que j'aille tout à l'heure, mais pas pour l'instant. Wow!
Waouh! J'ai failli me faire choper fort. Waouh! Waouh! Mais ouais, mais c'est où? Mais c'est pas possible. J'ai fouillé quasiment tout l'endroit. Je vous jure que cette pièce existe, ma folie n'est pas complète encore. Bon, après, si je le mets chez les sataniques, logiquement, il y aura pas de problème. Ils penseront que c'est un dimanche normal. Oula, oula, c'est dur. Les gars, vraiment, je fais des dingueries. Mais où est-ce que c'est? Oula. Hey, mince. Je me suis fait choper. Non, mais ouais, mais je me fais soulever par tout le monde. Par contre, j'ai jamais vu autant de femmes sur moi. Et ça, c'est beau. Ça, c'est très beau. On n'en démord pas, les gars. Notre stratégie est payante. Le début est bon. Maintenant, il faut juste qu'on arrive à trouver le club de science. Mais normalement, si je dis pas de bêtises, il est au deuxième étage. On va y arriver. Tout va bien. C'est que quelques formalités. Little Vapor, Oka et Kawaii Diane sont des personnes que j'ai rajoutées au carnet des abonnés parce que, comme vous pouvez le voir, ils sont abonnés à la chaîne. En gros, c'est un carnet que j'enverrai dans l'espace à la fin de l'année. Et dedans, je mets le nom des gens qui s'abonnent à ma chaîne. Donc, n'hésitez pas à vous abonner pour peut-être être dans le carnet et pour rejoindre la communauté des Raytoniens, Team Rayton jusqu'à la mort. Allez, on repart, même stratégie les gars, on ne change rien du tout. Le but est de mouiller la fille avant de la tuer. Let's go, let's go, let's go, let's go, let's go, let's go. Papa Kaleno, Papa Kaleno. Je suis tellement chaud, il faudrait des pompiers pour m'éteindre. On prend ça, on fill the bucket comme diraient les Americans. Et on fout ça ici. Allez, vite. Non. Je me suis pas verpé, je me suis pas verpé, je m'en fous. Ok, maintenant on attend. Attends, mais c'est un mec qui va se le prendre du coup là. Wesh, il a des super pouvoirs. Gros, on dirait que pour eux, porter un seau d'eau, c'est équivalent à porter une arme de crime. C'est bizarre. Ok, je vais mettre ça là. J'ai l'impression que ça marche que sur les filles en fait. Bon, on attend. Maintenant qu'elle se fasse mouiller, je vais aller voir si c'est bien au deuxième étage, le club de science. Librairie, librairie, calligraphie, classe, classe. Mais il est où ce foutu club de science? Ok les gars, c'est ici. Quoi? Non, non, c'est pas ça que je cherche. C'est pas ici. Ça doit être au-dessus les gars. C'est pas ça que je cherchais en fait. Moi, c'est le club de science. Je ne cherche pas la classe de science. Ok, c'est là. Ok, c'est là. C'est là où je voulais aller. Ok, elle s'est faite prendre les gars. Maintenant, il faut juste qu'on retourne en bas. Et là, elle devrait arriver dans pas longtemps. On va l'attendre ici. C'est vraiment juste à côté de son crime. Ok, elle arrive, regardez, elle court. Yo meuf, comment ça va? Ça, c'est vraiment pas ta journée quoi en fait. T'as à peine commencé la journée, t'es déjà toute mouillée. Grand malade mental. Ok, let's go. Deuxième moment de kill hardcore. Blah. Pareil que tout à l'heure les gars, on se change. Touk touk touk. J'ai jamais vu quelqu'un changer aussi vite. On prend une petite douche. C'est important les gars, prenez une douche. Sinon vous sentirez mauvais et ça pique un peu le nez. Ok, maintenant je vais reprendre ça et maintenant on va devoir. Oh oui, j'ai oublié encore de m'habiller, je suis désolé, c'est pas un truc que je fais souvent. Cette fois-ci les gars, on est en uniforme de piscine. On peut dire que j'allais à la piscine, ça compte. Let's go to the club de science. Un étage, deux étages. Et c'est ici. Et là, je le mets là. Comment ça, je peux pas? Pas moi. Non, mais... Attends, mais ils vont m'arrêter parce que je suis à poil, en fait. Faut que j'attende qu'ils partent. Oula, non, pas avec mon tournevis. En fait, le club de science, avant, il était pas comme ça. Il était pas... Il y avait pas trop de monde. Cassez-vous. En fait, faut attendre que les gens, ils aillent en classe. En attendant, je vais me cacher ici. Là, je suis caché, les gars, dans un placard. Logiquement, personne ne pourra m'avoir ici. Mon perso, ça se voit, il a un problème. Regardez sa tête, il a des tics. C'est comme une école de gros zinzin. Tout ça pour un mec. Meuf, tu joues bien de la guitare, mais tu iras pas en cours un jour. Mais ils vont jamais en cours dans cette école, en fait. Ok, je crois que les gens se sont allés en cours, ça devrait le faire. Mais pourquoi je peux pas utiliser cet objet-là? Genre, je peux utiliser tous les objets, juste pas celui-là. En gros, vous voyez cette boîte-là, non? C'est elle qui devait nous servir. Bon, on va devoir trouver une autre solution. Il faut vraiment juste que je me sépare de cette preuve. Attends, mais là, les gars, je suis passé avec des habits en sang, en tenue piscine. Il est sûrement mal regardé. Mais je suis sûr qu'il m'a plus mal regardé pour le tenue piscine que les uniformes pleins de sang. C'est ça le problème. Alors, je connais pas trop cette zone. Est-ce qu'il y aurait pas un truc ici que je pourrais utiliser? En fait, il faut que je trouve un. Oh, je sais. Tu sais, on le met juste à la poubelle. Non, les gars, vraiment, dans ce jeu, chaque information compte. Je sais où on va aller. Vous vous souvenez, il y avait une sorte de chauffe-eau ou un truc comme ça? Et ben, on va essayer d'aller là-bas et de balancer dans le feu les vêtements. Que ça, on s'en sépare. Il y a un surveillant, on va essayer de faire attention. Oh non, 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 non. Mais ça va, j'étais à 40 mètres. Mais tes yeux, c'est des snipers. Non, mais arrête, non, non, s'il te plaît. Moi, je vais y arriver. J'ai tué par amour. Le tribunal n'excusera pas ça. Au point où on en est, venez, on tente un truc. On va juste tuer les gens un par un. Juste pour voir si ça peut fonctionner. On va voir jusqu'à quel niveau d'insanity on peut y aller. Genre, le but, c'est de trouver que des gens qui sont solo, tu vois. Genre, eux, ils sont en groupe, ça vaut pas le coup. Et tu sais quoi, toi, j'ai une idée. Ton corps, on va le mettre dans la déchiqueteuse. Vous pensez que c'est stylé ou pas? Oh, mais c'est tellement violent. Faut que je l'active, c'est ça? Ou c'est automatique? Mec, mais je l'ai mise dans la déchiqueteuse. Ça fonctionne pas? Waouh, mais je pense qu'elle est bien morte quand même, hein. Oh, mais du coup, ça me donne les clés. Mais les gars, je suis en train de faire un kill streak. Mec, c'est tellement un jeu de zinzin mental. Je peux avoir une pelle, de l'essence. Je vais prendre la scie, les gars, c'est beaucoup plus stylé. Par contre, je peux pas actionner ça? Normalement si hein. Alors me demandez pas pourquoi il y a un zoom sur le front de quelqu'un. Qu'elle a une surveillante donc ça sert à rien. Il y a plein de gens qui commencent à voir mes crimes mais tranquille. Ils savent pas que c'est moi pour l'instant. Non c'est pas moi le criminel. Quoi? Non, 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 vous faites méprise, c'est pas du vrai sang. Mettez votre plus gros pouce bleu et regardez mes autres vidéos qui s'affichent juste ici. Code créateur The Rayton pour me soutenir. Et ciao.